Salut, salut! Ah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 11 novembre. Fait que c'est le jour du souvenir. Fait que j'envoie en retard pour quand vous allez écouter ça, mais quand même, j'envoie toutes mes pensées aux personnes concernées par cette journée. Ouais, pour ma part, mon beau-papa, donc le papa de mon chum, c'est un vétéran. Le frère de mon chum, il est aussi dans l'armée. Fait qu'en tout cas, c'est tout le temps une journée un peu particulière, cette journée-là. Ouais. Je me souviens dans mes premières années, quand je travaillais à Vision, à l'école où je travaille en ce moment, mon beau-papa, il était venu faire un peu comme une conférence. Il était venu parler avec les plus vieux, je pense avec les sixièmes années dans mon école, du jour du souvenir, justement. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que ça? Là, il est 7h20. Il fait vraiment beau soleil ce matin. Genre, quand je suis descendue tantôt avec Léo, il était 6h30, je pense. 6h35. Oui, parce que son soleil était levé, fait que. Il était environ 6h35 quand on est arrivé en bas. Puis, comme ma maison était toute un peu jaune à cause du soleil, c'était vraiment très très beau. Il annonce chaud aujourd'hui, mais il annonce de la pluie cet après-midi. Ah! Puis là, je vais encore une fois passer une journée seule avec moi-même, ce qui fait vraiment du bien. Même si j'adore Léo du plus profond de mon âme, sérieusement, des journées seules, ça fait tellement du bien. Tu sais, même sans mon chum, ça, tu sais, vraiment toute seule, ce que je peux faire, ce que je veux, quand je veux. Faire du ménage avec de la musique full forte si je veux, ou genre des vidéos, peu importe, je trouve vraiment que ça fait du bien. Fait que c'est vers ce genre de journée-là que je m'enligne encore aujourd'hui. Ouais, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Ah, je suis fatiguée tout en étant vraiment genre reposée. C'est bizarre, hein? Hier, je me suis couchée vers 9h30, je pense. La dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 9h10, puis j'étais en train de lire. Puis ça n'a pas été long que j'ai fermé mon livre parce que j'étais trop fatiguée. Je pense qu'il était comme 9h30 quand je me suis couchée. Léo, il a essayé de se réveiller une première fois à 5h50, mais là, j'ai expliqué que c'était encore la nuit et tout. J'étais allée le recoucher. Il s'est rendormi. Fait que j'ai vraiment pu dormir jusqu'à vers 6h30. Là, excusez, je gosse dans mes cheveux, mais c'est à cause que là, hier, je les ai comme lavés, mais je les ai pas brossés, j'ai rien fait. Fait que là, la texture est vraiment bizarre. Ils sont genre semi-frisés, semi-raides. C'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Fait que, ouais, j'ai comme vraiment bien dormi. Fait que je me sens reposée et zen, mais en même temps, je me sens un peu fatiguée. Bref! Parlant d'être fatiguée, je vais vous laisser un petit peu. Je pense que je vais me mettre en vidéo YouTube. Je suis comme en train de faire des recherches sur le 75 Hard Challenge. Moi, au début, la première fois que je l'ai vu passer, c'était avec Amélie Vincent sur Instagram. Puis Steph aussi de. C'est quoi sa chaîne? Je pense que c'est juste Stéphanie Saint-Germain maintenant. Hey, je me sais plus c'est quoi maintenant le nom de sa chaîne. Parce qu'avant, c'était genre un. Quand même un long nom, là. Stéphanie. Je pense que c'était genre Stéphanie, vlog de maman, Stéphanie.
Mais je suis pas certaine si elle a changé. Ouais, maintenant sa chaîne c'est Stéphanie S. Fait qu'elle aussi, elle avait essayé de le faire, mais je pense qu'elle elle avait arrêté. Mais Amélie Vincent, elle le fait au complet. C'est ça, j'essaie de faire un peu de recherche sur ce programme-là, d'écouter bien les vidéos. Parce que je trouve ça quand même intéressant, vu que c'est surtout un challenge psychologique. T'sais, oui, ils disent genre de faire 2 fois 45 minutes d'entraînement. Je pourrais vous en parler plus, là. C'est comme 2 fois 45 minutes d'entraînement dans ta journée. Un de ceux-là doit être à l'extérieur. Mais ils précisent pas du tout quoi faire comme entraînement. Fait que, t'sais, tes 2 entraînements, ça peut être une marche, ça peut être du yoga, ça peut être n'importe quoi, là. Ça a pas besoin d'être full intense que tu sues ta vie, là. C'est juste que 2 fois dans ta journée, il faut que tu bouges 45 minutes. Fait que, tu sais, ça peut avoir l'air très intense au niveau entraînement, mais dans le fond, c'est plus psychologique. C'est plus comme de contrôler ta tête. Parce que moi, j'ai vraiment de la misère avec ça ces temps-ci. Fait que je me demande si ça pourrait pas m'aider. Parce que j'ai vraiment de la difficulté comme à... Ouais, à contrôler mon cerveau, à contrôler j'ai juste le mot en anglais. Mes urgences, mes... My urges. Tu sais, mettons, quand j'ai le goût de quelque chose, c'est genre... C'est là que ça se passe, puis j'y vais vraiment intense. Puis en tout cas, j'ai vraiment cette difficulté-là. Fait, en tout cas, je me demande si ce challenge-là pourrait pas m'aider à me contrôler là-dessus, comme à me pousser un peu. Fait que bref, on continue mes recherches. Je vais boire de l'eau. J'ai ma petite bouteille ici. Puis je vous reviens plus tard. Il est rendu 1h de l'après-midi. Tantôt, je suis allée prendre une marche jusque chez Jean Coutu. Je voulais m'acheter du sirop pour la toux, premièrement, parce que je tousse la nuit. Ouais. Donc, je me suis acheté du sirop pour la toux, puis j'ai fait quelques autres petits achats, comme entre autres, comme vous pouvez peut-être vous en douter, de la peinture pour mes cheveux. Là, en fait, ce que j'ai, c'est du Color Oops. C'est fait pour enlever la teinture. Là, j'ai jeté la boîte dans un sac poubelle que j'ai fermé et que j'ai sorti. Mais ça ressemble à ça. Puis, c'est dans le fond, 2 liquides que tu mélanges ensemble, que tu mets dans tes cheveux. Tu mets le petit casque qu'ils fournissent après. On laisse agir 20 minutes. Puis après ça, c'est un peu long parce qu'il faut genre rincer pendant 20 minutes, refaire un shampoing, rincer pendant 5 minutes, refaire un shampoing, rincer pendant 5 minutes. Fait que c'est long, mais c'est ça, je voulais comme essayer d'enlever une couche de ma couleur, voir qu'est-ce que ça donne. Puis après ça, la couleur que je me suis achetée, c'est comme un peu plus pâle blond. Je sais pas quelle couleur que ça va donner, mais le nom de la couleur, c'est genre blond cendré ou quelque chose comme ça. Mais j'ai comme l'impression que ça va être plus foncé dans mes cheveux.
parce que la dernière fois, c'est ça que ça l'a donné. J'étais pas supposée avoir les cheveux presque noirs quand j'ai teint mes cheveux. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais ouais, j'étais en train de faire ça. Puis je me suis aussi acheté un produit à sourcils. En fait, c'est Alana qui est sur YouTube. Je pourrais vous mettre son lien en barre d'infos. Qui parlait que, genre, son truc préf pour les sourcils, c'était le Gimme Brow de Benefit avec un gel à cheveux. Qui est genre de Got to Be, je pense que c'est le Got to Be Spike ou je sais pas trop, c'est vraiment un gel à cheveux. Fait que j'ai essayé de faire la même chose mais version moins chère. Fait que je me suis acheté un produit pour les sourcils de L'Oréal qui est comme en pot. Ouais, je vous mettrai l'image là. Puis je me suis acheté un gel à sourcils transparent. Je vous mettrai l'image là. Puis j'ai fait mes sourcils. Puis sérieusement, j'aime vraiment ça. Fait que reste à voir de quoi ça va avoir l'air à la fin de la journée, mais j'aime vraiment ça. Puis tu sais, je me disais, je vais-tu me sentir les sourcils crunchy vu que j'ai du gel, mais pas pantoute. Fait que ouais, je suis très 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 contente. Fait que tu sais, je pense que ça m'a coûté genre moins de 20$. Alors que normalement, juste le Gimme Brow, je pense que c'est plus que 20$. En tout cas. Je suis pas insatisfaite. Fait que je me suis acheté ça. Puis c'est ça. Là, je suis en train d'écouter un documentaire pendant que ça travaille dans mes cheveux. Fait que je vais continuer de l'écouter. Puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air après avoir travaillé et après tous les rinçages. J'ai bien hâte de voir. Bon. J'ai pas vraiment refilmé parce que je me suis rendu compte que j'étais pas mal tout nue pour une bonne partie de l'après-midi. Au fond, ouais, j'ai pas vraiment pu vous filmer beaucoup d'informations. Mais après avoir fait le Color Oops puis avoir rincé, j'ai fait deux bleach baths. Fait que c'est du bleach avec du développeur et du shampoing que tu laisses agir dans tes cheveux. Je l'ai fait deux fois. Puis là, j'ai ma teinture dans mes cheveux. Puis ça va rester là pendant une trentaine, 30-35 minutes. Puis je pense que ça va donner de quoi de cute. Je pense. Je sais pas encore, mais la couleur me semble pas pire. La couleur me semble raisonnable. Fait que je croise les doigts et je continue d'écouter mon documentaire au travers de tout ça. Sérieusement, ça va m'avoir pris tout l'après-midi. Il est 4h moins 10. C'est long. Ouais. Coucou! Oh, j'ai presque plus de batterie. Je vais aller vous charger. Je reviens. Re-coucou! On est rendu le 13 novembre, c'est la fête à Lio, il y a 3 ans aujourd'hui. J'en reviens pas, j'en reviens vraiment pas. Puis là, c'est ça, je me suis rendu compte que j'ai pas refilmé depuis mercredi, quand j'ai fait ma couleur. Et finalement, vous pouvez peut-être le remarquer, je suis pas revenue blonde. Ouais, ça avait comme... Ça a pas donné vraiment ce que je voulais. Fait que j'ai tout simplement mis une teinture genre... brun. Oh, là, ça sort vraiment bizarre. En ce moment, ça sort un peu multicolore. Parce qu'il faudrait que je fasse une deuxième couche de ma teinture. Chose que j'ai pas encore eu le temps. Mais ouais, c'est genre... chocolaté de la gamme Solfine. En tout cas, je vous montrerai ça plus tard quand je vais retrouver la boîte de la teinture que j'ai fait. Mais bref, c'est ça, j'ai utilisé une teinture, un tube de teinture qui me restait ici pour mettre sur mes cheveux. Parce que c'est ça, finalement, genre mon bleach bath pis tout, ça a pas donné ce que je voulais. Fait que j'ai cancellé mon projet.
Je suis vraiment bipolaire du cheveu. Je veux dire, rendu là, vous me connaissez un peu, hein? Ouais. Je pense que je suis vraiment dans une passe où est-ce que je préfère mes cheveux plus foncés. Puis là, tu sais, ça a vraiment... Si on oublie le fait que c'est multiton, c'est vraiment la teinte que je voulais au départ et non pas genre le presque noir. Tu sais, c'est plus un brun que je voulais, fait que ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je voulais. Fait que c'est ça, point numéro 1. Là, je vais sortir mon chien. Tu veux sortir, bébé? Oui, dans mon amour, un petit peu. Un petit peu, mon amour. Oui. Attends, attends. Go! Hey! Ouais. Fait que je sais pas encore si je vais aller chercher ma peinture aujourd'hui. J'ai pas encore décidé ce côté-là. Mais, là, aujourd'hui, je suis en mode préparation. Pour la fête à Lio, on va le fêter ce soir, moi puis mon chum. Fait que c'est ça, dans le fond, hier, j'ai pas vlogué du tout. Je pense pas. J'ai passé la journée avec ma mère. Ça a tellement fait du bien. Je sais que, bon, techniquement, on peut pas faire de rassemblement et tout, mais genre, c'était juste moi puis ma mère. Puis je veux dire, ma mère, elle garde Lionel depuis le... Depuis le début du deuxième confinement, là, fait que, tu sais, je la vois, je l'ai vue presque à tous les jours en droppant Lionel, là, fait que, tu sais, je considère qu'elle fait partie de ma bulle familiale, rendue là. Fait que, c'est ça, on est partis ensemble à Lévis. À la base, moi, je voulais aller à Lévis pour aller changer mes bottes. Ben, pas mes bottes à moi, mais les bottes à Lionel, parce que, ben, je sais pas si je vous en ai parlé, là, mais... Ses bottes Columbia, il faisait pas. Il était comme trop raide. Fait que quand il rentrait son pied, il arrivait pas à rentrer son pied dedans, en fait. Il disait que ça faisait trop mal, puis que, tu sais, son pied, il passait pas. Fait que j'étais allée les échanger hier. Finalement, j'ai pris des Stones. Ouais, un peu. C'est genre le même modèle, je pense, que ces Stones de quand il était bébé puis qui marchait pas, là. Tu sais, les espèces de bottes toutes molles. Sauf que c'est la version enfant. Fait que c'est ça, je suis allée changer ça hier, mais dans le fond, on a comme décidé de faire vraiment une journée, une avant-midi de magasinage mère-fille. Fait qu'on est allé au Walmart, chez Clément, chez Eleganza, Dollarama, Renaud Bré, puis on est allé au Chocolat Favori aussi. Fait que, oh, sérieusement, ça l'a tellement fait du bien. Je m'ennuyais beaucoup de passer du temps avec ma mère. Parce que, ben c'est ça, tu sais, j'allais porter Lio presque à tous les jours parce qu'il était malade. Mais tu sais, je pouvais pas nécessairement rester là à jaser avec elle. Fait que, oh, ça m'a tellement fait du bien. Puis elle m'a tellement gâtée, puis elle a tellement gâté Lio, j'en reviens pas. À chaque fois, j'ai genre un malaise tout en étant comme tellement reconnaissante parce que mes parents sont vraiment généreux. Je vais faire rentrer mon chien. Recoucou. Ouais, mes parents sont vraiment généreux, fait que... C'est ça, hier, elle a acheté des petits vêtements pour Lio, fait qu'elle a acheté... Ils sont en train de sécher ici. Des petits jeggings. C'est la marque Le Chaboté, je pense. Ouais. C'est des petits jeggings Le Chaboté de chez Clément. Elle a aussi acheté des joggings de la marque Ouké. Qui sont gris, comme ça, pour Lio. Elle a acheté un petit t-shirt puis un petit chandail à zip de la Patatrouille. Moi, j'y ai acheté des bas et des bobettes. Fait que des bas de la Patatrouille, des bobettes Spider-Man, parce que ces vieilles bobettes Spider-Man, c'était des 2T, fait ils faisaient vraiment pu. Ensuite, elle nous a acheté un sapin de Noël. J'en reviens pas. Elle sait que je magasinais pour m'en acheter un, parce que l'année passée, on s'était juste acheté comme un mini sapin, qui était comme à lumière optique, là, dans le fond. Les lumières changeaient de couleur sur les branches, puis en tout cas, c'était comme vraiment un mini sapin, parce qu'on n'avait pas nécessairement le budget de s'en acheter un. Puis finalement, hier,
Elle a décidé de nous acheter un sapin de Noël. Fait que j'étais vraiment contente, j'ai pas cette dépense-là à faire. Elle m'a aussi acheté un shampoing puis un masque pour les cheveux. Dans le fond, on est allé au Eleganza, elle voulait s'acheter comme son produit à elle pour ses cheveux. Puis moi, je voulais regarder pour, premièrement, des rallonges. Je voulais magasiner ça un petit peu parce que c'est peut-être le cadeau que je vais me faire pour Noël, de me poser des rallonges pour les cheveux. Mais, bon là, je t'ai soufflé, évidemment. C'est ça, j'ai comme, je voulais m'acheter mes shampoings. Shampoing revitalisant Olaplex, comme ça. Fait que ça, c'est le shampoing. Puis, dans le fond, c'est pas le revitalisant, mais c'est le traitement, comme ça, que je voulais. Puis, finalement, rendu à la caisse, elle l'a payé. C'est vraiment son genre. Fait que, ouais. Fait qu'elle m'a pris ça. Puis sinon, j'ai acheté les décorations pour la fête à Lio, chez Dolorama. Puis on est allé chez Chocolat Favori. C'est la première fois qu'elle y allait, fait qu'elle m'a demandé si je voulais bien l'amener là-bas. On a mangé les deux le dessert cœur fondant. On a pris le cœur fondant s'mores éclaté, toutes les deux. Fait que c'était vraiment très bon. Puis on a acheté le gâteau de fête à Léo aussi là-bas. Tant qu'elle l'a acheté chez IGA, ben on a tout fait en même place. Puis c'est ça. Je pense que c'est tout. Moi, je me suis acheté des petits trucs chez Walmart, c'est vrai. J'ai acheté des livres pour Lio. Je vais vous montrer ça tant qu'à être. Oui. Il fait vraiment sombre dans ma chambre. Fait que, je pense que je vais aller m'installer là-bas, même si vous allez voir mon bordel de chambre. Poigne. Ok. Salut! Ajuste-toi, caméra! Ah! Ouais, fait que j'ai pris trois petits livres de la Pat Patrouille pour Lio. Fait que celui-là ici, Tracker, le ranger de la jungle. Je l'ai lu hier à Lio, il était très content. Ensuite, L'éboulement, comme ceci. La piscine. Ensuite, j'ai pris un livre de Noël. Donc, le compte à rebours du Père Noël, c'est une histoire par jour. C'est vraiment très génial. Et ça, je pense que c'est un coup de cœur, sérieusement, là, si vous le voyez chez Walmart. Tendre moment avant le dodo. C'est pas des histoires, c'est genre des méditations, de la gratitude. Tiens, mettons, amour, ici, là. Je sais pas si vous allez voir... Ok. Pense à quelqu'un qui a une place spéciale dans ta vie. Envoie de l'amour à cette personne en touchant ce cœur trois fois. Prends le temps de ressentir tout cet amour dans ton cœur à toi. Fait que c'est comme toutes des petites activités relaxantes que tu peux faire avec ton enfant. Il y a des trucs de respiration. Sérieusement, je capote. Tu sais, genre respiration profonde ici. T'sais, mettons, ils disent de toucher un nénuphar trois fois en retenant ton souffle. Après ça, tu vas toucher l'autre nénuphar. En tout cas, c'est vraiment très, très hot. Quand j'ai vu ce livre-là, je ne pouvais pas m'empêcher de le prendre. C'est vraiment mon genre. Vraiment mon genre. Fait que, ça, c'est les livres que je me suis procurés. Sinon, je pourrais vous montrer les cadeaux de fête à Lio. Ouais, je pense que je vais les sortir parce que de toute façon, il faut que je les emballe. Et je vais les sortir puis je vais vous les montrer. Donc, premier cadeau, ça ici. Fait que c'est la tour Pat Patrouille, comme ça, avec... je pense qu'elle vient avec deux voitures. Trois, deux... Elle vient-tu avec toutes les voitures? Non. Deux autos. Oh, il y a Chase, il va être content. Chase et Marcus. Fait que, ouais, cette tour-là, qui était moins chère chez Canadian Tire. Moi, je l'avais spoté sur Amazon, mais finalement, elle était moins chère chez Canadian Tire. Fait qu'on y a pris ça. Ça, c'est un cadeau que j'ai acheté, genre, là, deux mois, je pense, chez Jean Coutu.
Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su qu'il lui fallait. Fait que c'est un camion de pompier, puis en plus, il fait de la lumière, puis des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment très hot. Fait que ça, c'est son deuxième cadeau. Et le dernier, c'est celle-ci. Fait que c'est genre les petits blocs de construction magnétiques. Puis sinon, comme la dernière chose que j'y ai acheté, qui est comme... C'est plus un cadeau pour nous, là. Mais c'est ici. Le bracelet routine du matin. Fait que c'est un petit bracelet, j'ai pris le noir. Puis il y a comme des petits dessins dessus qui lui expliquent quoi faire pour sa routine du matin. Puis ça venait avec des autocollants de routine. Fait que dans le fond, pour chacun des éléments qu'il y a sur son bracelet, ça décrit comme qu'est-ce qu'il doit faire pour cette routine-là. Fait que mettons, pour « je fais mon lit », qu'est-ce qu'il doit faire? Pour « je m'habille », qu'est-ce qu'il y a à faire? Fait que c'est ça. On a décidé d'essayer ce petit bracelet-là pour possiblement optimiser la routine du matin avec Lio. Donc c'est ça pour ces cadeaux de fête. Fait que j'étais en train de faire du rangement et tout aussi parce que je veux faire l'installation de sa salle de jeu. Finalement, je me souviens pas si je vous l'ai dit, mais je ne ferai pas la peinture. J'ai juste pas le temps, ça marchera pas. Mais j'ai vidé la pièce, il reste juste les gros meubles. Fait que, ben, puis il reste des trucs dans le garde-robe que je vais vider tantôt. Mais peut-être à l'heure du dîner à mon chum où mon père est supposé passer tantôt nous porter leur cadeau de fête à Lio. Fait que je vais peut-être lui demander s'il veut m'aider à descendre des gros meubles au sous-sol parce que j'aimerais installer la salle de jeu pour Lio pour qu'il y ait une belle surprise quand il va revenir de la garderie. Fait que sur ce, je vous laisse. Parce que je vais aller m'asseoir un peu parce que là, t'es soufflé. T'es soufflé! T'es soufflé! Bon. Fait que ça, c'est ma petite table de fête. Fait que j'ai mis une nappe jaune. J'ai mes petites bonnes fêtes que j'ai achetées chez Dollarama, mais qui sont un petit peu en train de s'effouerrer. Puis, j'ai les beaux ballons! Comme ça. Fait que c'est Lio qui a demandé les couleurs. Fait qu'il a demandé un vert, un jaune, un rouge et un bleu. Puis on a décidé de rajouter un pat patrouille. Fait que c'est ça pour la table. Et là, si je me tourne par là, je sais pas si vous allez remarquer, mais il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus aucun jouet. Il n'y a plus de meubles de jouets. Il n'a plus fini. Il est rendu où? Rendu en haut, dans la salle de jeu. Je suis toute énervée. Fait que je vais aller vous montrer ça, vite fait, parce qu'après ça, je veux juste me mettre un autre chandail, puis peut-être me maquiller juste un mini peu pour si jamais on prend une photo, parce que j'ai l'air un peu morte de ma journée. Parce que je suis un peu morte de ma journée. Mais ça ressemble à ça. Fait que je vais vous faire faire le tour. Bon, donc là, c'est tout ce qui est sa nourriture, ses chaudrons pour jouer à la cuisine. Sa petite cuisine est ici. Le meuble de jouet. Trampoline. Ça, c'est son tapis de gymnastique du IKEA avec les cadeaux. Fait que ça, c'est les cadeaux de moi et Ludo. Puis ça, c'est les cadeaux qui viennent de mes parents. Puis j'ai acheté un petit Marcus tantôt, faut que je l'ai mis là. Son Tipeee. Parce que son Tipeee, il était dans sa chambre avant. Mais là, il commençait à être vraiment tannant. Quand on allait le coucher, il jouait dans son Tipeee. Puis là, il faisait des niaiseries. Fait que son Tipeee est maintenant dans sa salle de jeu. Là-dedans, il y a ses toutous. Puis son bébé. Sa petite table IKEA est rendue là, puis le dessus, il y a ces camions qui s'amusent à monter et à démonter. Dans le garde-robe, il y a ses tapis de voiture, sa poussette, son Spider-Man, son panier d'épicerie. Ça, c'est une petite couchette.
En haut, là, j'aimais tous les jeux qui sont rendus trop bébés pour lui. Puis tu sais, je vais en monter au fur et à mesure que je vois qu'il se désintéresse. Puis tous les autres jeux et jouets sont là. Ça ressemble à ça. Je suis vraiment fière de ma job. Je travaillais fort. Je pense que ça va valoir la peine. Je pense qu'il va vraiment... Hop, ma couette est rendue laite. Je pense qu'il va vraiment être content. Ouais. Fait que ça va être de prendre l'habitude d'aller en haut pour faire des jeux. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, genre si ça va fonctionner. On sait jamais. Fait que là, ouais, je vais juste m'arranger la face un mini peu. Oh! Je suis tellement fatiguée. J'ai mal dans les bras, mal partout. Je peux-tu vous mettre là? Non? Peux-tu vous mettre là? Ouais. C'est pas super efficace, là. Je vais me choisir un chandail. Oups. Quel chandail vais-je mettre? Je vais mettre mon chandail cœur de maman. Pour être habillée tout en noir, mais au moins ça va être un noir plus arrangé qu'un pyjama. Pas vraiment faire un bel éclairage, mais je me suis arrangée un petit peu. Bonne fête, Lionel.
recule. On se recule. Pas trop proche. Ouais! On aime bien? Fais-nous l'honneur. Je vais le couper, ok? Oui. Toi, papa, veux-tu une cuillère ou une fourchette? Fourchette. C'est pas là, mon amour! Non, pas ici! Est-ce que t'as la bonne réaction? C'est assez! Et où la surprise? C'est pas là! Papa. Puis moi? Puis moi aussi. Attends, ok. Est-ce que tu aimerais déballer les cadeaux à Mamie et à Pépin? Oui. Attends, on va appeler Mamie et Pépin. On va faire les cadeaux à Mamie et Pépin, ok? Mais attends un petit peu. Mais c'est parti. Et moi aussi. C'est pas encore parti, ok? Ok. Attends. Hier, j'ai complètement oublié de conclure mon vlog. Dans le fond, on a joué avec Lio vraiment longtemps. On a joué, et je pense qu'on l'a couché, il était comme rendu 8h. Fait qu'on a joué de 5h30 à 7h30, mettons, dans sa salle de jeu. Il était tellement content. C'était très beau à voir, sérieusement. Là. Il était vraiment très, très, très heureux. Fait que on a eu beaucoup de plaisir avec lui. Une fois qu'il a été couché, moi puis Ludo, on s'est installé puis on a fait un petit peu de jeu sur l'ordinateur. On a joué à StarCraft ensemble. Puis après ça, on s'est couché. Ben, en fait, non. Moi, après qu'on a joué à StarCraft, j'ai fait un peu de montage de vlog. Fait que j'ai pas terminé mon vlog parce que c'était un vlog quand même long à faire. Parce que c'est le vlog où est-ce que je vous montre comment j'ai fait ma coupe de cheveux. Fait que c'est quand même plus de gestion là. Faut comme que je fasse des enregistrements de ma voix et tout. Fait
Fait que c'est ça. J'ai commencé ça. Il m'en reste pas gros pour le terminer. Fait que je vais finir ça ce matin en buvant mon café. Puis c'est ça. Dans le fond, hier, après avoir fait mon un peu de montage, je suis allée me coucher. Il était quand même rendu tard. Il était rendu genre minuit et demi, je pense, quand je suis allée me coucher. Fait que ce matin, mon chum m'a laissé faire la grasse matinée. Il est rendu 10h. Puis je me suis dit que j'allais conclure ce vlog-là pour en commencer un autre. Fait que je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment contente d'avoir pu partager comme ces petits moments-là avec vous. J'ai pas beaucoup filmé hier. On dirait que je voulais vraiment comme profiter du moment avec Léo. Mais sérieusement, il était vraiment content. Vous allez le voir un peu dans les vidéos. Mais ouais, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Puis on va se revoir bientôt. Bye!